Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pêche. Ouais, voilà. On pêche dans un étang. On va pêcher à l'asticot au début et au leurre à la fin. On aura peut-être des belles surprises. Je vous dis. Il y a mon cousin avec moi, donc voilà. Donc ça sera de la pêche avec mon cousin. Donc une fois sur deux, vous aurez moi et lui. Donc c'est parti. Parce que j'ai quelques petites touches. Que je vais faire au bon moment. Là j'essaie de la tirer. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a là. J'ai regardé. Un peu enrhumé. Putain, j'ai mal ferré. Désolé pour les grands mots. Mais bref, c'est pas grave. Je vais essayer de relancer. On verra bien s'il me reprendra. À voir. Je vais vraiment me remettre à un autre endroit. Je vais bientôt vous donner la vision de mon cousin. Je continue encore un peu avec vous. Voilà. Je vais poser ma cam. La pose là, vous voyez. Donc, on va attendre un peu. Là, ça devrait pas tarder. Donc, ouais, l'étang n'est pas vraiment bien entretenu. Franchement, il est même dégueulasse. Sans vous mentir. Pas du tout entretenu. On a demandé au monsieur si on pouvait passer de la tondeuse. Bien sûr. Il nous a toujours pas répondu. Bref. Allez, c'est parti pour aller voir mon cousin. Voilà. Oui. Bon, là j'essaye en bordure. Hein. Je sais pas ce qui marche le plus, mais je sais que ça marche. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, on est dans un étang sauvage. Hein. Là où on ne connaissait pas. Et pour moi, ça pourrait mordre en bordure. Je vais essayer d'aller plus par là. Parce que il y a la sortie des eaux. Et ça, c'est intéressant souvent. Pas dans tous les étangs, et dans pas mal. Du coup, j'essaye de piquer un peu là où je peux. Je crois que j'ai refaire à la sortie d'eau. Attendez, je me décoince. Bon voilà, j'ai trouvé la sortie d'eau, elle est juste là. Donc hop, on essaye là. Et des fois que ça marche. J'espère qu'il y a un peu de profondeur vers ici quand même. Parce que j'ai pas mis trop de profondeur, mais j'en ai pas mis beaucoup non plus. Bon. Comme vous le savez ici, bah, je vous ai pas prévenu. Mais c'est un étang qui doit mordre assez vite. Je m'étais encore recoincée dans un petit fil de téléphone pour tenir. Donc je me suis décoincée et du coup je vais aller tester un autre endroit encore. Par là, j'ai vu qu'il y avait un ruisseau, mais je n'ai rien vu dedans. Donc, je vais pas m'y tenter.
On va retourner vers Elena. Parce que j'ai plus de verre du coup. Hein. Enfin, d'asticot plutôt. T'as les asticots? Bon, bah, je vais essayer au verre du coup. Hein. On se retrouve quand j'ai mis le verre. Donc voilà, j'ai accroché un petit verre. C'est un verre canadien pour ceux qui se demandent. Comme ça, je vais essayer de pêcher la perche. Bon, allez, je fais mon lancer et je vous retrouve. Bon, voilà, je sais pas si vous voyez. Mais attendez. Je me suis positionnée là, là. Juste là. Donc, on verra bien. Si dans quelques minutes ça mord pas, bah, j'y changerai. Je changerai de place. Je pense sinon, je me mettrai plus vers le milieu là. C'est un bel étang quand même, je trouve. On a vu des bêtes de carpe aussi. Bon, moi je vais vous repasser ma collègue, du coup Elena. On se retrouve plus tard. Voilà, c'est à moi. J'ai des problèmes avec mon moulin en ce moment, il fait tout de travers. Oh, putain. Je sais pas ce qui se passe. Il va falloir que je décroche. Ah ouais, non, c'est vraiment des problèmes, mon moulin. C'est de la merde. Non, pourquoi je suis chiant? C'est pas moi qui est chiant, c'est ce moulinet! Ça, c'est que je dois avoir. Ok. Ouais, ça va, là, pourquoi? La chair, elle prend à fond. Attends. Là, ça bloque. Pourquoi, là, c'est tant d'axes? C'est pas aussi lourd. Mon il peut supporter 45 kilos. Tu vas pas me dire que ça pète sur cette merde. Putain. Oh. Là, les gars. Écoutez, mon moulinet, c'est que de la merde. Mais ça peut vous aider. Sur vos moulinets à vous. Ça n'en se met plus. Pendant que votre truc est dans l'eau, je vais essayer de régler ce problème. Je vous pose là si ça vous va, ça ne vous dérange pas. Hop. Voilà. Je suis vraiment au bord là. Donc si je tombe, je meurs. Voilà, c'est sûr que mon frein il tient bien. Ok. Parfait.
On essaye en plein milieu. Hop là. On essaye en plein milieu. Tu sais, peut-être que ça marchera. Qui sait, on va peut-être devenir célèbre grâce à cette vidéo de pêche. Même si j'en doute fortement que personne n'aime. Toi, Sky? C'est long. Ouais, moi non plus. Bon bah les gens, je pense que pour cette vidéo, ça sera terminé. On aura fait un poisson, c'est déjà bien. En tant que cas, j'espère que ça vous aura plu. Au revoir!